Salut tout le monde, je suis mercredi le 8e de mars de cette année 2023. Le jour d'aujourd'hui, c'est le jour international pour féminine. En parlant de cette matière, la nouvelle la plus récente qu'on m'a présentée dans la vidéo dans le site web independence.co.uk pour le jour d'aujourd'hui, on me dit que la nouvelle vous fait savoir ce qui s'est passé durant le jour d'aujourd'hui. Pour l'emploi du temps de Madame la Générale Joe Biden, la femme du président Joe Biden des États-Unis. En parlant de cette matière, la nouvelle nous dire que Madame la Générale Joe Biden, la femme du président Joe Biden des États-Unis, a fait l'occasion de s'exprimer bien sur cette matière durant le jour d'aujourd'hui, telle qu'elle même accompagnée par Anthony Blinken, le secrétaire gouvernemental des États-Unis du ministère d'Affaires étrangères. Tous les deux se sont présentés dans le palais gouvernemental du gouvernement de la nation des États-Unis, que l'on appelle The White House, durant le jour d'aujourd'hui, afin d'organiser une cérémonie annuelle que l'on appelle International Women of Courage Awards, dans le but d'attribuer l'honneur à 11 féminines internationales qui se sont bien manifestées avec un courage, une puissance et un rôle dirigeant pour être partisane de mettre en valeur les bienfaits décidés à toutes les féminines du monde. En parlant de cette matière, la nouvelle vous présente une liste ci-dessous concernant la liste de ces féminines.